Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de PGP Tuto, c'est Kevin de Prophetic Games Production. Aujourd'hui, nous allons voir comment changer de personnage, comment créer et utiliser des notifs depuis un Skeletal Mesh, comment appeler des fonctions depuis un notify et comment insérer un son et une particule. Alors si ce contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les infos. Sur ce, c'est parti! Donc voici le personnage d'Unreal Engine qui peut se déplacer et sauter. Comme vous pouvez le constater, on joue avec un personnage féminin. Pour ceux à qui ça intéresse de jouer avec un personnage masculin, c'est tout à fait possible parce qu'il y a aussi la version masculine du mannequin. Donc je vais vous montrer où aller pour faire ça. On va ici dans le Content Browser. Content ici, donc il y a tous les éléments de notre projet. Et nous, on va accéder à notre blueprint de celui du personnage. Vous allez ici, First Person, Blueprint, c'est celui-ci, on l'ouvre. Alors, ça c'est le graphique du Construction Script. J'y étais dernièrement, c'est pour ça que ça me l'a ouvert. Voici le viewport. On peut avoir une idée de à quoi ressemble le personnage et tous les éléments qu'il possède. Et le Event Graph, là où il y a toutes les fonctions, tout ce que le personnage peut faire est ici. Et ça nous envoie directement à son emplacement. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est utiliser le personnage masculin. Donc on va l'ouvrir. Alors je vais juste faire glisser comme ça, il prend tout mon écran. Voilà, je préfère qu'il soit comme ça. Je devais pas le fermer car on va en avoir besoin. On retourne dans le blueprint et on va s'attaquer au construction script, qui est une partie du graphique qui va modifier le personnage directement juste avant que le jeu commence. Et ce qui nous intéresse ici, c'est de modifier le skeletal mesh ici. On voudrait qu'il soit un garçon, soit une fille. En ce moment, c'est déjà le mannequin féminin. Et pour faire ça, on va aller ici dans variable. On va cliquer sur le petit plus qui est là. Et ça nous rajoute une nouvelle variable. Vous pouvez le donner le nom que vous voulez. Moi, je vais l'appeler man slash woman point d'interrogation. Et ça tombe bien que ce soit une variable booléenne, c'est exactement ce que je voulais. Par défaut, c'est toujours cette variable-là qui va être donnée en premier lieu. Et le principe de cette variable, c'est qu'elle n'a que deux valeurs, vraie ou faux. Je vais la compiler. À ce moment-là, elle apparaît ici, ça veut dire qu'elle peut être utilisée et modifiée. Par défaut, elle est sur faux. Et je peux la cocher pour qu'elle soit sur vrai. Et pour faire appel à cette variable, pour la glisser quelque part sur le graphique, vous faites clic gauche maintenu sur la variable, vous la faites glisser quelque part, vous maintenez la touche contrôle du clavier et vous lâchez pour faire un get. Et en faisant un get, on voudrait obtenir la valeur actuelle de la variable. Et puisque c'est une variable booléenne, elle est généralement suivie de cette fonction-là. Donc je tire depuis le trou ici avec clic gauche maintenu. Je lâche et ça fait apparaître une liste. Donc nous, on va utiliser la fonction branch qui se trouve ici. Voilà, elle ressemble à ça. Et comme la variable elle-même, cette fonction a également deux sorties. Une entrée, mais deux sorties, vraie ou faux. Et en fonction de la valeur de cette variable, si cette valeur est sur vrai, alors c'est ici que ça partira. Sinon, ça partira là. Et par exemple, on voudrait notre personnage
si cette variable est sur vrai, on voudrait que le personnage soit par exemple le garçon. Ça tombe bien, j'ai mis man en premier. Donc on va récupérer le mesh ici, cet élément-là. Pareil, clic gauche avec la souris, vous faites glisser sur le graphe et vous lâchez. Ici, il n'y a pas besoin de faire un contrôle. Quand il s'agit d'un composant, dans la liste ici, pas besoin de maintenir contrôle avec le clavier. Ce sera toujours un get. Et pareil, depuis le trou, vous tirez avec clic gauche maintenu, vous lâchez. Et là, on voudrait modifier l'aspect du skeletal mesh. On voudrait changer de personnage. Donc, on va taper 7. Skeletal mesh asset. Celui-ci. Pour pouvoir changer de personnage, on relie là comme ceci. Voilà, new mesh. Et donc, c'est pour ça que j'avais laissé celui-ci ouvert, parce qu'en fait, je vais en avoir besoin. Je vais sur la loupe ici, et ça me permet de le sélectionner automatiquement. Et puisqu'il est sélectionné et qu'il est un skeletal mesh, donc on va pouvoir modifier cette valeur ici, juste en cliquant sur la flèche, et il va le mettre automatiquement. Autrement, vous pouvez cliquer ici sur l'onglet, et ça nous permet d'accéder à tous les skeletal mesh qui se trouvent dans le projet. Mais pour aller plus vite, vous pouvez utiliser la flèche. Il faut d'abord choisir le personnage dans le content. On compile. Alors, c'est encore la fille. Mais c'est parce que, ici, je suis sur false. Si je passe sur vrai, il devient le garçon. Voilà. Mais il reste le garçon si on passe sur false. Pourquoi? C'est parce qu'actuellement, il ne se passe rien sur le false. Le programme ne sait pas ce qu'il peut faire parce qu'on ne lui a rien demandé. Du coup, on va tout simplement lui dire que quand on est sur false, c'est la fille qui va jouer. Donc je fais une sélection avec avec clic gauche maintenu de la souris. Faites glisser comme ça pour sélectionner plusieurs éléments à la fois. Vous faites CTRL C, CTRL V et ici on va relier au false tout simplement. Et là, pareil, on retourne là où se trouve le personnage. Puisque la fille est rangée dans le même dossier, on va tout simplement prendre elle à la place. Cliquez ici. Voilà. On compile. Et là maintenant, en modifiant la variable, on passe du garçon à la fille d'un simple clic. On y arrive. Maintenant, ce qu'il faut, on va s'attaquer au principe de l'AnimeBP. Et le AnimeBP, c'est un gestionnaire qui va gérer les animations d'un skeletal mesh entre elles. Et actuellement, cet AnimeBP-là, c'est celui de la fille. Ce qui veut dire que celui-ci aussi, il faut le modifier. Pour faire ça, CTRL-C, CTRL-V, et on va tirer ce node ici, set anim instance class, et là ça nous permet de modifier le AnimeBP pour changer. Il faut bien sûr que le AnimeBP corresponde bien au skeletal mesh. Voilà, actuellement celui de la fille. Donc avec la flèche, vous cliquez dessus. Et maintenant, on va faire la même chose pour le garçon. Cette fois-ci, on sélectionne cet AnimeBP là. Voilà. On compile. Voilà, on y est. Comme vous pouvez le voir, le garçon se tient autrement que la fille. C'est parce qu'ils n'ont pas tout à fait le même AnimeBP. Donc on va tester de suite avec le garçon dans le jeu pour voir ce que ça donne. C'est parti.
Voilà, le garçon peut se déplacer. Et la fille peut se déplacer aussi. Maintenant, nous avons le choix entre jouer avec le garçon ou la fille. Pour moi, perso, je vais rester avec le garçon, par exemple. Alors maintenant, on va s'attaquer au Notify. Et les Notify, pour y accéder, alors, bon là de base, c'est le skeletal mesh de la fille, hein, c'est pour ça qu'il apparaît encore ici. Donc on va retourner sur nos pas un petit peu, aller dans ce dossier-là. Puisque moi je joue avec le garçon, je vais aller dans ce dossier-là. Toutes ces animations sont rangées ici. Et moi, ce qui m'intéresse, ce serait une animation de course. Voilà, une animation de course que je vais ouvrir. Alors actuellement, ça me met le mannequin de comment ça s'appelle? D'aperçu, c'est celui de la fille. Et c'est pas grave parce qu'en fait, celui de la fille et celui du garçon ont le même skeleton asset, pour dire ça comme ça. Ce qui veut dire qu'ils ont les mêmes animations. Ce n'est pas un aspect qu'on va aborder. Donc, comme vous pouvez le voir, ici il y a déjà des notifies. Ce sont des marqueurs qu'on peut placer dans une animation. Et ce sont ceux qui vont déclencher des événements lorsqu'ils sont repérés dans une animation à un moment précis. Là, par exemple, on peut rajouter une autre ligne si besoin. Il suffit d'aller sur Track et de cliquer sur ce bouton Insert Track. Et ça rajoute une ligne. Maintenant, on va créer des notifies avec le clic droit de la souris. Vous allez sur Add Notify. Alors, Unreal Engine propose déjà quelques notifies par défaut. Et le Skeletal Mesh peut aussi avoir ses propres notifies qui ont été créés auparavant. Ils apparaissent ici. Et de si on veut créer un nouveau, il suffit d'aller là. Vous donnez le nom que vous voulez à votre notify. Moi, je vais l'appeler L. Et je vais en créer un deuxième. Je vais l'appeler FitR. Vous pouvez sélectionner plusieurs notifies à la fois. Pareil avec la sélection, vous glissez avec le clic gauche de la souris. Vous faites CTRL, pas CTRL, juste le clic droit, copie. Et à ce moment-là, vous faites clic droit à nouveau. Et vous mettez paste multiple relatif. Et pareil ici. Assurez-vous que les notifies soient bien placés pour que ce soit synchro un maximum avec l'animation. Donc ça, c'est pour l'animation de course du garçon. On va faire la même chose pour celui de la fille, pour ceux qui souhaitent jouer avec la fille. Pour l'instant, je vais le fermer. Donc on retourne en arrière et cette fois on va dans ce dossier-là, le run ici pour la fille. Donc pareil, on rajoute une nouvelle ligne ici dans Track. Et comme je disais en fait, puisque le garçon et la fille ont le même skeleton asset, vous allez voir que si je fais clic droit avec la souris et que je vais sur Add Notify, Skeleton Notify, il y a les deux notifies que j'ai créés pour l'animation de course du garçon. Du coup, pas besoin d'en créer un nouveau puisque je vais les réutiliser. Donc là, c'est le FitR. Ah oui, c'est ça. FitR. Et puis pareil, il faut placer les animations correctement.
Pareil. Contrôle, clic pour sélectionner plusieurs notifs à la fois. Clic droit, copie. Clic droit à nouveau et vous cliquez sur celui-ci. Tant que nos animations de course possèdent des notifs qu'on veut utiliser tout de suite, je pense que je peux fermer ça. Pour que les notifs soient utilisés, c'est à partir d'un anime BP. Et comme je disais, c'est dans l'anime BP qu'on met toutes les animations d'un personnage pour qu'il puisse comprendre qu'il doit courir, marcher ou sauter en fonction de l'action qu'il est en train d'effectuer. Donc elles sont représentées de cette manière, les animes BP. On va l'ouvrir sans plus tarder. Voilà, c'est le graphique de l'anime BP. Donc ce qu'on va faire tout de suite, c'est taper le nom des notifs qu'on vient de créer. Donc clic droit et vous tapez le nom de votre notify. Voilà, Pit, L et R, ce sont les deux que j'ai créés. Parce qu'en fait, je vais en avoir besoin ici. Je fais la même chose pour l'autre. Non. Fit. Voilà, les notifs apparaissent ici. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ces notifs? En fait, on aimerait qu'il se passe quelque chose sur notre personnage lorsque ces notifs-là sont détectés. Donc avant d'aller plus loin ici, je ne vais pas fermer ce fichier-là. On va retourner ici, dans le blueprint de notre personnage. Et on va créer une nouvelle fonction. Parce qu'à travers un notify, on peut faire un peu ce qu'on veut. On peut dire au personnage que quand il fait un pas au sol, ça peut par exemple générer un son ou faire apparaître une particule ou plein, plein d'autres choses. C'est l'exemple que je vais vous citer en tout cas aujourd'hui. Du coup, je vais créer une fonction avec le clic droit et je vais taper Custom Event. Juste custom en fait. Vous tapez et vous cliquez sur celui-ci, Add Custom Event. Vous donnez le nom que vous voulez à votre fonction. Moi, je vais l'appeler Footstep. Et donc, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est utiliser le print string. Vous tapez print string. Alors c'est juste pour le début. Et en fait, le print string, pourquoi je l'utilise? Eh bien, c'est représenté par un message qui apparaît en haut, à gauche de l'écran. Et on s'en sert dans la programmation pour voir si une fonction est correctement appelée, mais ça n'influe pas sur le jeu. Moi, par rapport à la fonction, par rapport à l'exemple que je vais vous montrer, je vais devoir l'utiliser. Et pour ce faire, je vais le relier comme ceci à ma fonction. Parce qu'en fait, je vais lui donner un nom qui va changer en fonction du notify qui sera détecté. Voilà, on peut compiler. N'hésitez pas à utiliser cette fonction si besoin. Ça peut toujours servir tout de même. Voilà, compiler. Ça veut dire que la fonction existe. Maintenant que la fonction existe, on peut retourner ici. Actuellement, il n'y a rien qui fait référence à notre personnage. Pour faire ça, on va récupérer ce node-là. CTRL-C. On va le mettre un peu plus loin. CTRL-V. On va retirer depuis ce trou ici, depuis ce node, et on va glisser. Vous faites un cast tout. Le nom de notre personnage, BP underscore third person character. En faisant un cast tout, on essaye de localiser les données d'un blueprint existant. Il faut relier ici comme ça.
Donc là, on essaye de localiser le blueprint de notre personnage. Et on va faire de lui une variable ici en faisant promote to variable. Ça veut dire qu'on va enregistrer sa référence dans ce blueprint ici, dans le AnimeBP, qu'il apparaît ici comme une variable. Et ça veut dire qu'on peut faire appel à elle à n'importe quel moment. Maintenant que la variable de notre personnage existe, on peut l'utiliser, la faire glisser quelque part sur le graphe, en faisant clic gauche maintenu sur la variable, glisser, touche CTRL du clavier, et on lâche. En faisant un get comme ceci, on peut avoir accès à tout ce qui se trouve dans le blueprint de notre personnage. Ça implique les éléments qu'il trouve, les variables qu'il possède et les fonctions qu'on lui a créées. Et nous ici, on voudrait utiliser la fonction qu'on vient de créer, à savoir le footstep. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais taper le nom de la fonction footstep, voilà, comme ceci, et il trouve le nom de la fonction. Et je vais donner un nom à mon printString ici, qui va être différent en fonction du notify qui est détecté. Je vais l'appeler footr. Ou, ouais, par exemple. C'est juste un exemple, hein. Et là, pareil, CTRL-C, CTRL-V. Et là, pareil, je peux changer le nom, mettre un L à la place. Et hop, c'est réglé. Maintenant, on va lancer le jeu et voir ce qui se passe. Comme vous pouvez le voir en haut à gauche, il y a des printstreams qui apparaissent. Cela veut dire que les notify sont bien détectés puisque le message apparaît. On va s'assurer que ça fonctionne également pour la fille. Voilà, tout fonctionne. Je me remets en garçon. Maintenant que les messages apparaissent en haut à gauche de l'écran, cela veut dire que la fonction est correctement appelée, que ce soit pour le garçon ou la fille, et c'est une bonne chose. On va voir ensemble comment rajouter des sons lorsque la fonction est appelée. Pour ce faire, on va rajouter des sons à notre projet. Clic droit et vous créez un dossier, ici New Folder. Vous pouvez mettre votre dossier où vous voulez. My Audio. Dedans, je vais mettre tous mes petits sons. Donc vous allez rechercher vos sons dans votre dossier sur votre PC. Vous les sélectionnez et vous les faites glisser dans le projet, tout simplement. Ils apparaissent ici, comme ça. Vous faites un premier clic gauche. Et pour le deuxième clic, vous maintenez la touche Shift de votre clavier pour sélectionner là où se trouve votre curseur. Et vous faites CTRL. Clic droit plutôt, Flute Multiple Queue. Ce sont ces fichiers là qu'on va utiliser. Donc ce sont des petits bruits de pas que j'ai créés vite fait. Je vous invite à les télécharger puisqu'ils sont joints avec la vidéo pour pouvoir suivre le tuto. Mais vous pouvez également acheter le pack du footstep qu'on peut trouver sur le Epic Game. Et il possède une large variété de sons, d'effets sonores, et donc si ça vous intéresse, vous pouvez l'acheter pour vous en approprier. Et bien maintenant, on va ouvrir le blueprint de notre personnage, et on va aller ici, depuis ce node là, on va continuer, taper play sound 2D. Donc j'ai cliqué sur la petite flèche pour avoir accès à plus d'informations sur le son qui va être utilisé. On voit ici le volume, la tonalité, son point de départ,
Ce paramètre-là, je ne le connais pas. Celui-là non plus. Et ça, c'est pour si on veut que le son soit utilisé. En général, on utilise ce paramètre-là dans les interfaces, quand le personnage se déplace dans un menu en particulier. On va le laisser sur vrai, ça n'a pas trop d'importance ici. Et maintenant, ici, il faut qu'on définisse un des sons qu'on vient d'ajouter au projet. Vous choisissez celui que vous voulez parmi les trois. Vous pouvez même les écouter, il y a la flèche qui apparaît. Moi, je vais prendre le premier. Donc, vous sélectionnez tout simplement. Et comme d'habitude, vous allez sur la flèche, vous cliquez pour que ça le mette automatiquement. Une fois que c'est fait, vous compilez. Et c'est parti. Voilà, il y a un son qui se joue à chaque fois que le personnage pose un pied au sol. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Par exemple, rajouter une particule lorsque le personnage pose un pied au sol. Et à ce moment-là, c'est un petit peu plus avancé. Et c'est tellement plus avancé que du coup, ma fonction ici, je vais devoir modifier quelques trucs. Du coup, ce que je vais faire, c'est que le nom ici que j'ai donné à cet endroit-là, il risque d'être différent. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, on va chercher à obtenir la position exacte d'une partie du corps au moment où la fonction a lieu. Et pour faire ça, on va ici prendre Mesh, on fait glisser ici avec le clic gauche maintenu. Vous tirez ce node et vous tapez Get Socket Location. Socket, c'est un élément qu'on peut placer directement dans un skeleton asset et ça peut aussi être un bone, c'est une des parties qui compose le skeleton asset. Et ici, il faut définir de quel bone il s'agit. Et pour faire ça, on va aller ouvrir ce fichier-là. Et ici, tout à gauche, il y a la hiérarchie de tous les bones qui composent le squelette de notre personnage. Et nous, ce qui nous intéresse, ce sont les pieds. Je l'avais déjà sélectionné avant de l'ouvrir. Donc vous allez ici, vous faites clic droit, vous faites copy selected bone name pour obtenir le nom exact. Puis on va aller ici. J'ai pris celui du pied gauche. Donc je vais remplacer. Il faut que le nom soit exactement le même, sinon il se passera rien. Et puis bah là, bah, je suppose que c'est la même chose, sauf que c'est R qu'il faut mettre à la place. Ok, on compile. Maintenant, on retourne ici. Dorénavant, c'est ce nom-là qui s'affichera dans le print string. Et nous, ce qu'on va faire, alors on va rapprocher un petit peu ça. En plus du son qui va jouer, on va aussi lui dire de faire apparaître une particule. Et comme j'ai donné un nom à mon print string, je peux le mettre ici. Ça devient une conversion parce que la valeur n'est pas tout à fait du même type. Et là maintenant, on va pouvoir savoir l'endroit exact du membre du corps du personnage, à savoir le pied. Et pour que la particule apparaisse à cet endroit-là, il nous faut cette fonction. Donc on va ici un peu plus loin et on tape spawn emitter at location. C'est pour ça qu'il nous faut la localisation exacte du pied du personnage. On peut tout de suite remettre là. Et voilà, le tour est joué. Il faut juste trouver quelle particule on veut faire apparaître. Alors c'est juste un exemple. Moi, je vais prendre parmi les particules qui sont dans le projet de base, je vais prendre celui-ci, P-Spark. Vous choisissez celui que vous voulez, comme vous sentez. Et c'est parti. Donc ça y est, il y a un son et une particule qui apparaît. Alors si jamais ça joue trop fort, on peut toujours aller ici, dans Volume Multiplier,
et diminuer la valeur. On va mettre 0,2 pour voir. Compile. Et on essaye pour voir ce que ça donne. Ouais, ça donne ça. Et bien voilà, c'était tout pour ce tuto. On a vu ensemble comment changer de personnage, comment créer et utiliser un Notify depuis un Skeletal Mesh, comment créer une fonction et l'appeler depuis un Notify, et comment générer un son ou une particule à un endroit précis sur le personnage. Donc c'était Kevin de PGP Tuto. N'hésitez pas à liker et laisser un commentaire. Je ferai mon possible pour répondre à vos besoins. Donc à la prochaine pour un prochain tuto. Passez une bonne journée et soyez bénis.